Ça tombe très bien que je sois 19e, puisqu'il y a certains échos qui vont pouvoir apparaître. Alors, de toute façon, il y en aura d'autres, des échos, parce que comme ça se passe souvent dans les enjeux, il y a des choses qui ont été dites là juste avant qui, je pense, vont résonner aussi par rapport à vos travaux, à vous. Alors, je suis très heureuse de faire cet entretien. Vous êtes l'auteur d'une œuvre extrêmement foisonnante, d'abord parce qu'elle porte sur des objets extrêmement divers qui vont de la civilisation égyptienne et de la naissance des grands monothéismes jusqu'aux deux grandes guerres du XXe siècle, en passant par la naissance du cinéma à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, et puis aussi parce qu'elle utilise des médiums extrêmement différents. Alors, on vous connaît souvent comme, entre autres, comme le co-auteur avec Gérard Bordilla de la série Corpus Christi, qui est extrêmement célèbre, mais vous êtes l'auteur d'une, plus d'une trentaine de films documentaires, dont des séries, justement, qui comportent à chaque fois plus d'une dizaine d'épisodes. Ça, c'est le versant cinématographique de votre œuvre. Mais vous êtes aussi écrivain. Vous avez d'ailleurs commencé par la littérature, vous avez fait une thèse, un doctorat en lettres, et vous avez là aussi publié plus d'une trentaine de livres, parfois liés à vos documentaires, et donc on a des objets intéressants qui fonctionnent un peu en diptyque. C'est le cas par exemple de la série de livres sur la vie de Jésus, qui vient en lien avec les séries filmées. Et puis, vous avez, par exemple, aussi écrit un très beau livre sur la Première Guerre mondiale, qui s'appelle « Les Sentinelles de l'oubli », et qui joue aussi avec un documentaire précédent, de la même manière sur les Jeux olympiques de Berlin en 1936. Enfin, je ne développe pas, mais parfois, donc, c'est lié à votre travail au cinéma, parfois non, puisque vous avez, par exemple, même écrit de la fiction avec un roman, Une femme dangereuse, publié en 2013 aux éditions Le Passage. Alors, on va reparler de tout ça, mais la première impression quand on aborde votre œuvre, c'est cet étourdissement devant la richesse, la variété des sujets, etc. Et dès qu'on commence pourtant à s'y plonger un petit peu, on se rend compte qu'il y a en réalité une très forte cohérence interne. Et alors, avec différents massifs que j'ai commencé à faire émerger et dont on va reparler, mais pour rester dans la problématique qui est celle des enjeux aujourd'hui, je vais en distinguer deux problématiques qui me semblent récurrentes, qui nous intéressent donc particulièrement, notamment cet après-midi. D'abord, le rapport à l'histoire, et peut-être plus encore que le rapport à l'histoire, le rapport au passé, que vous, précisément, vous n'abordez pas tout à fait en historien, on va y revenir, et puis d'autre part, le goût du portrait. Le goût du portrait qui revient à la fois dans les livres et dans les documentaires, qui sont souvent consacrés parfois à des figures célèbres, qu'il s'agisse de personnages historiques, Jésus ou Vercingétorix, d'écrivains du XXe siècle, Proust, Artaud, René Char, Jean Paulhan, François Mauriac, de cinéastes, Raoul Ruiz, François Truffaut, mais aussi des figures beaucoup moins célèbres, alors par exemple Hélène Bert, une jeune fille que vous suivez, une jeune fille juive pendant la guerre. Alors le journal était déjà paru quand vous avez fait le documentaire, mais vous avez contribué à la mettre en lumière, ou alors même ce prototype de la figure anonyme qu'est le soldat inconnu. Alors, entre importance centrale accordée au passé et goût du portrait individuel, on est là vraiment au cœur de la thématique de l'après-midi, qui se définissait par ce très beau titre « Transmettre l'humain ». Et peut-être que c'est là ma première question. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cet intitulé-là? Est-ce qu'il y a bien au cœur de votre œuvre une volonté de transmettre quelque chose de l'humanité? Et si oui, qu'est-ce que vous cherchez à transmettre de cette humanité-là? Juste après, enfin dans quelques minutes. J'ai été troublé, j'en ai pas entendu vraiment la question. Qu'est-ce que je cherche à transmettre? Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'intitulé « Transmettre l'humain » Non, pas trop. C'est vrai? Oui. Pas trop, non, enfin, c'est-à-dire que il y a un devoir, il y a une sensation de devoir, quoi. Il faut transmettre comme le devoir de mémoire, et voilà. Bon, plusieurs personnes avant moi ont parlé de ce que t'es, de ce que pouvait signifier l'expression réparer les morts, enfin, ou réparer les vivants, réparer les morts. Voilà, je me sens plus proche de cela, parce que la transmission, pour moi, c'est presque un obstacle, je dirais que, enfin, ça, c'est un peu de l'ordre du sujet.
Ouais. Et donc, si je fais des films, bon, les livres, c'est pareil, mais c'est peut-être moins flagrant. Si je fais des films et des films documentaires, c'est pour... si je transmets quelque chose, si je cherche à transmettre quelque chose, c'est des expériences, c'est des émotions, c'est des sensations, c'est à susciter l'imaginaire du spectateur, ouais, et pas à lui apprendre des leçons. Voilà. Ouais. Ça, c'est très très important pour moi. Je me suis rendu compte que, en restant dans la réflexion sur le documentaire, que beaucoup de documentaires, ou la plupart des documentaires, à la télévision, au cinéma, c'est un peu vrai aussi, mais à la télévision, dans la mesure où les documentaires à la télévision sont encore aujourd'hui, ça a bien changé depuis 50 ans, mais aujourd'hui, c'est les documentaires ont un sujet, sont des documentaires d'histoire, sont des documentaires culturels, et là aussi, il y a du devoir, il y a du devoir. Et donc, ça donne souvent l'occasion à ceux qui les font, à ceux qui collaborent, aux historiens qui y contribuent, ça leur donne une espèce de rôle de supériorité, de suprématie. On regarde le passé, vous savez, merci d'avoir parlé du passé, qui m'intéresse, m'obsède plus que l'histoire, proprement dite. Histoire, j'ai pas fait d'études d'histoire, d'ailleurs, sauf sur le tas, en étant le disciple attentif de quelques-uns des plus grands historiens de toutes les périodes. Voilà. Mais je referme la parenthèse. Ça me frappe souvent de voir qu'il y a un point de vue zénital, comme ça. On a tout compris. On a compris aussi que nos aïeux, nos ancêtres, étaient quand même un peu bas de plafond, si je puis me permettre l'expression. Et que nous, on a tout compris. Or, c'est pas ça qui est intéressant, en fait, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. On est dans la même expectative, sauf que nous, on connaît la fin de l'histoire. Et donc, dans ce que je fais, finalement, que ce soit les films ou les livres, c'est peut-être pas vrai pour tous, hein. Je sais pas, c'est l'inconvénient de généraliser, mais en tout cas, j'essaye à la fois de profiter du fait que on sait beaucoup plus de choses au fur et à mesure des années, enfin, grâce au travail des historiens en particulier, des critiques, etc. Mais qu'en même temps, il faut essayer de retrouver cette innocence, cette précarité, cette incertitude, cette inquiétude, et c'est ça qui m'intéresse vraiment. Oui. Voilà. J'ai fait un film qui s'appelle Vivre dans l'Allemagne en guerre, d'après un livre passionnant de l'historien britannique Nicholas Stargard, enfin librement inspiré, disons. Mais j'ai terminé ce film par la phrase d'une jeune femme qui écrit ses carnets pendant toute la guerre, et c'est le 8 mai 45, son journal se termine, enfin, le film se termine sur cette page de son journal où elle dit, c'est une jeune Allemande, Ursula von Kardorff, et elle dit, nous avons perdu la guerre, mais ce serait pire encore si nous l'avions gagnée, quoi. Je trouve ça formidable, quoi. C'est-à-dire qu'on est au cœur d'une contradiction, d'une contradiction saisissante. Enfin, et c'est ça qui m'intéresse, quoi, de retrouver dans le passé des échos de ce que nous pouvons ressentir, nous, aujourd'hui. Donc, surtout pas d'assises, surtout pas de position de supériorité trop stable, mais malgré tout... Du doute, de l'inquiétude. On a beaucoup dit avec Gérard Mordilla que nos séries sur les origines du christianisme, Corpus Christi, l'origine du christianisme, l'Apocalypse et ensuite Jésus et l'Islam, qui nous a occupé chacun 20 ans de notre vie, donc plus les livres, on a beaucoup dit que c'était un éloge du doute. Et c'est un éloge de la lecture, de l'incertitude, de l'hypothèse, mais aussi du doute. C'est-à-dire que On ne sait pas. Je sais plus, tout à l'heure, on parlait du portrait et du fait que faire un portrait, je ne sais plus, c'était avec Olivier Rollin, faire un portrait, ça veut dire s'aventurer dans la forêt intérieure de quelqu'un, mais ce quelqu'un, en l'occurrence, là, pour l'Occident chrétien, c'est Jésus qui va devenir Jésus-Christ, et ce Jésus... aussi bizarre et étrange que ça puisse paraître,
on ne sait presque rien de lui. On a l'impression de tout savoir, mais on ne sait presque ouais. rien. Presque rien, quoi. Mm-hmm. Qu'il est mort, crucifié par les Romains, qu'il est né sans doute, enfin, c'est un bâtard. Voilà. C'est presque tout ce qu'on sait, quoi. C'est un prophète, voilà, mais c'est presque rien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, c'est de faire l'archéologie des couches successives qui permettent d'amener jusqu'à nous des figures. Oui. Voilà. Et, bon, je prends l'exemple de Jésus, mais on pourrait en prendre d'autres. On pourrait parler de Proust, on pourrait... Oui. Voilà, voilà. Mais justement... De Robertson. Ah oui, voilà, c'est ça. Vous m'y amenez presque. Mais j'ai encore une question avant. Parce que justement, enfin, malgré tout, quand vous dites... je laisse de côté la transmission, pour le coup, oui. mais l'humain, le goût du portrait... Il y a quelque chose qui est vraiment central là dans ce que vous faites, et c'est pareil, on a l'impression, au départ on plonge dans une extraordinaire variété et puis on commence petit à petit à repérer des cohérences. Alors par exemple, quand on plonge dans votre œuvre, ça m'a fait un effet comédie humaine à certains moments, avec des personnages reparaissants, à la Balzac, qui créent des effets de réseau, des ramifications qui structurent plus ou moins secrètement votre œuvre. Enfin, c'est l'impression qui a été la mienne. Alors, il y a des personnalités matricielles qui vont, j'ai l'impression, produire d'autres études, d'autres ramifications. Par exemple, la figure d'Artaud, qui est sur lequel auquel vous consacrez votre premier documentaire. Et autour d'Artaud, on va avoir une sorte de galaxie Artaud, avec Jacques Prével, avec Jean Paulhan, avec certaines figures du roman gothique, Lévis notamment. Donc il y a toute une galaxie Artaud comme figure centrale. Et puis à l'inverse, il y a aussi des personnages qu'on atteint d'abord comme secondaires, et qui vont devenir ensuite des figures principales, des figures de premier plan. Alors ça, c'est par exemple Louis Gillet, qui intervient comme personnage secondaire dans votre livre sur les Jeux de Berlin, les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, et puis qui revient finalement comme personnage de premier plan dans votre dernier livre, qui est « Regarder et ne pas voir », Louis Gillet, un témoin au cœur des années sombres. Alors... est-ce que, il y a deux exemples ici extrêmement différents, Artaud d'un côté et Louis Gillet de l'autre, évidemment rien à voir, mais qu'est-ce qui suscite votre intérêt pour un personnage en particulier au départ ? Le hasard. C'est enfin, bon, le hasard. Au début, je suis gêné quand vous me parlez de mon œuvre, parce que bon, peut-être, mais disons mon travail. Alors, si vous voulez. Mon travail, voilà. Au travail. Au travail, voilà, c'est ça. Ce qui me plaît, c'est que ça continue. C'est oui. Pas, oui, c'est oui, pas oui. Le, c'est pas le dernier opus, entre guillemets, mais c'est le suivant. Voilà. Oh. C'est vraiment, hein, vraiment, c'est de continuer qui m'intéresse. Bon, non, mais... bien sûr, il y a des constellations, il y a des galaxies autour de la littérature française du début du XXe siècle. Il y a Artaud, il y a Paulhan, il y a Léon-Paul Fargue aussi, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté. Il y a une série de films que j'ai fait ensuite, que j'ai produit sans les faire, qui s'appelle « Les hommes livres ». Voilà. Bon, mais ça, c'est un peu différent. C'est des objets de lecture, c'est des objets de lecteurs, voilà. Plus problématique est la question autour, par exemple, de Louis Gillet. Louis Gillet est un écrivain très célèbre en son temps, à peu près complètement oublié aujourd'hui. Enfin, je rencontre quelques lecteurs qui me disent oui, qu'ils le connaissent comme critique d'art, comme découvreur des littératures étrangères, puisqu'il avait cette rubrique dans la Revue des Deux Mondes. Voilà, comme, mais sinon, c'est un nom qui est un petit peu tombé dans les oubliettes. Et donc, ce décalage, ce déphasage entre quelqu'un de très connu, dont on s'arrache la signature, et puis le fait qu'aujourd'hui, c'est presque un anonyme, il s'appelait Gillet en plus, enfin bref. Et il se trouve que je fais un film sur les Jeux Olympiques de 1936 qui m'ont toujours fasciné, parce que de voir dans les images des films d'archives, et notamment dans le film de Leni Riefenstahl, flotter au-dessus du stade de Berlin, le drapeau à croix gammée et la bannière étoilée des États-Unis quand des athlètes américains et allemands remportaient les épreuves, j'ai toujours trouvé ça complètement ahurissant. Voilà. Et préparant ce film, je me suis mis à chercher activement tout ce que les contemporains avaient pu dire des jeux.
côté allemand, mais du côté français, du côté des Américains, etc., etc. Et je suis tombé sur un reportage pour l'hebdomadaire Gringoire de 1936 de ce Louis Gillet que je connaissais un peu parce que je furette dans les bibliothèques, mais enfin bon, pas plus que ça. Mais en même temps, c'est un traducteur. Il a traduit Kipling, il a traduit des écrivains, des écrivaines, etc. Bon, c'est un nom qu'on peut toujours retrouver dans sa bibliothèque ou dans les bibliothèques que l'on fréquente. Et puis, j'étais très surpris de son ton. C'est-à-dire que cet article qui consacrait en août 1936 aux Jeux de Berlin était l'article d'un sorte de cinéaste, ou de, je le dis dans le livre, de Léon Zitrone de l'époque. C'est-à-dire que cet homme nous faisait voir ce qu'on n'a pas vu, enfin, ou on a vu à travers la propagande de Leni Riefenstahl, mais ce qu'on ne pouvait pas voir, il nous le racontait. Et puis, je me suis intéressé à lui et je me suis rendu compte qu'il avait continué son voyage en Allemagne, qu'il était parfaitement polyglotte, il parlait allemand, il parlait anglais, il parlait italien, etc., etc., et qu'il était resté en Allemagne pour faire un reportage en 1936. Et puis, que ce reportage n'était pas paru dans Gringoire, auquel il le destinait, avec une espèce d'absence de flair politique, parce que Gringoire n'était pas le journal, l'hebdomadaire fasciste que ça va devenir. Enfin, il s'était quand même très à droite. Bon, lui, n'était pas à gauche, mais enfin. Et ce grand reportage, finalement, devient un an plus tard un livre, Rayons et ombres d'Allemagne, publié aux éditions Flammarion, et où il commence très fort en attaquant le fait que ce livre, finalement, est censuré, quoi, a été censuré. Et donc, l'humanité prend fait et cause pour lui, parce que voilà, j'ai oublié de dire qu'il était académicien, qu'il venait d'être élu à l'Académie française, et donc voilà un homme de droite, un homme catholique, un homme modéré, qui finalement s'aperçoit de ce que c'est que l'Allemagne. Et puis quand on lit le livre, quand on lit ce reportage, puisqu'il a été publié, on s'aperçoit que les choses ne sont pas aussi simples, et que d'emblée, il joue carte sur table, rayons et ombres d'Allemagne. Alors bien sûr, il y a la petite référence à Hugo, mais au-delà de ça, rayon et ombre d'Allemagne, on est en 1936 dans l'Allemagne dirigée par les nazis. Enfin, donc, il y a des rayons, et donc on se dit, mais comment, c'est ça qui m'intéressait. Comment on peut, même si on est un homme assez conservateur, qui est content de voir que la prospérité est revenue dans ce pays, que l'ordre règne, enfin, etc., etc., sans qu'il soit devenu, parce qu'on sait quand même ce qu'il est devenu, sans qu'il soit devenu du tout proche des collaborationnistes pendant l'occupation. Voilà. Donc il y a tout ça, et c'est un homme informé. Et en même temps, en lisant son livre, on s'aperçoit que, un, il est frappé de voir que il y a une caporalisation des esprits, une langue de bois qui s'est répandue à travers le pays. Ce pays qu'il aime, il aime l'Allemagne, c'est un ancien combattant de 14-18, mais qui, enfin, comme beaucoup d'anciens combattants, qui a de l'estime pour ce pays, qui aime bien ce pays, voilà. Et donc, il y a ça, et puis il y a une dizaine de pages sur le sort fait aux Juifs en Allemagne, qui ne l'empêche pas lui-même d'être complètement exempt de quelques petites pointes antisémites de l'époque, voilà, mais ça le révulse, ça le révolte, voilà, est-ce que c'est parce que c'est un catholique, tendance Peggy, parce que Peggy a beaucoup compté pour lui, enfin, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui le choque profondément, bon, ça l'empêche pas de revenir en Allemagne pour l'exposition de l'art allemand en 1937, qui n'est pas très connu en France, mais qui est plus connu par l'événement symétrique qui se produit à ce moment-là, qui est l'exposition sur l'art dégénéré, à laquelle il ne rentre pas, d'après ce que j'ai retrouvé dans ses papiers intimes, etc., etc. Et puis ensuite, bon, l'approche de la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, et petit à petit, après avoir fait un livre qui allait plus loin que le film sur les Jeux de Berlin et dans lequel il avait un petit peu plus de présence, parce qu'il y a un moment donné, on se dit qu'on cède aux clichés, aux lieux communs, on réduit les gens à un aspect de leur personnalité. Voilà, j'ai voulu aller plus loin et voir
comment il se comportait ensuite, oui. Puisque ben, par chance, il a laissé des archives personnelles auxquelles j'ai pu avoir accès, mais il a aussi laissé des traces de ses publications, puisqu'en dehors de ses livres, il était, je l'ai dit tout à l'heure, très sollicité par les quotidiens, Paris Soir, par d'autres quotidiens, jusqu'à sa mort, enfin, ce qui est aussi une circonstance favorable, disons, pour quelqu'un qui écrit sur lui, ça, jusqu'à sa mort survenue en 1943, donc avant qu'il connaisse le dénouement de l'histoire. Mmh. Et donc, ce livre, Regarder ne pas voir, il est finalement hanté par un autre livre que j'avais entrepris avant et que je pensais mener à bien avant, un livre de fantôme finalement autour de quelqu'un, je ne vous dirai pas qui, mais qui était plutôt un héros et qui a construit quand même sa légende. Mmh. Voilà. Et puis je me suis de plus en plus intéressé par ce personnage ordinaire, banal, pas tellement sympathique peut-être. Enfin, ouais. Voilà. Mais encore une fois, vous travaillez vous aussi les rayons et les ombres, vous redonnez à ce personnage ses rayons et ses ombres dans une sorte de clair-obscur, dans cette époque de pénombre et d'obscurité grandissante. Donc il y a un travail de noir et blanc d'une certaine manière et de travail d'image, vraiment, même dans ce livre que vous écrivez. Alors ça me permet en plus de rebondir directement. Je ferai juste une parenthèse. Ouais. L'humain, tout à l'heure vous parliez de la dimension humaine, du fait que je vais dans le passé, enfin je ne suis pas le seul, hein, mais chercher des gens. Vous avez cité ce film que j'ai fait qui s'appelle Les Hommes oubliés de la Vallée des Rois, qui est un petit hommage à Albert Cosséry d'ailleurs. Ces ouvriers, ces artisans de la tombe du pharaon, il y a, je ne sais pas, 3000 ans, quelque chose comme ça, ils ne sont rien. Et pourtant, le fait de retrouver leur nom, de savoir un peu ce qu'ils ont écrit, de savoir ce qu'ils emportaient dans leur propre tombe, puisqu'à l'imitation du pharaon, ils voulaient emporter dans leur tombe le nécessaire pour l'au-delà. Mmh. C'est quelque chose qui me enfin, c'est bizarre, en fait, m'émeut profondément. Je peux te dire que si Louis Gillet avait vécu plus longtemps, j'aurais pu le rencontrer. Mais Inéraoui et tout ça, qui décore la tombe, il n'y a aucune chance que je ne l'ai jamais rencontré. Et pourtant, je n'arrive pas à me résoudre au fait que ces vies, ces milliers, ces millions, ces milliards de vies, il n'en reste rien du tout. Voilà, c'est ça. C'est ça qui me... Et vous allez chercher les traces. Voilà. Alors justement, c'est très très net là, exactement ce que vous dites, dans une autre figure extraordinaire que vous abordez, qui est Étienne Gaspard Robertson. Alors, personnage vraiment magnifique, né en 1763, mort en 1837, alors là, je retourne sur mes terres 19e, et qui, sur sa tombe, arbore ces trois mots qui sonnent comme une formule magique: physique, fantasmagorie, aérostat. Je trouve ça extraordinaire. Et donc, son nom, à lui, ne figure pas au titre d'une de vos œuvres, mais il la hante, malgré tout. Alors, votre travail, si vous voulez, il la hante comme une sorte, moins comme un personnage reparaissant, que comme une sorte de revenant. Et vous en faites le narrateur, en revanche, d'un de vos documentaires intitulé « Vivement le cinéma », où il apparaît comme l'un des pères du cinématographe. Et donc, je remercie énormément Elisette et Sylvie et l'équipe du Vieux Colombier qui ont bien voulu faire que soit possible le fait de regarder les trois premières minutes vraiment magnifiques de ce documentaire. Donc, si on peut les envoyer, ce serait parfait. J'avoue que j'ai la plus grande admiration pour ce prologue qui joue vraiment justement sur cette idée du royaume des ombres. Parce que ça commence de cette manière-là. On voit une ombre qui passe avec un chapeau haute forme devant l'écran, qui va prendre corps, puisqu'on passe du côté des promeneurs sous la tour Eiffel. Mais ces personnages sous la tour Eiffel qui se promènent, ils ont eux aussi des ombres qu'on voit se profiler derrière eux. Et ils sont pour nous des ombres, puisqu'ils sont morts depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et pendant les trois premières minutes, on va se situer dans cette ouverture constamment à la frontière qui fait passer
de la vie à la mort. Alors c'est le fameux homme qui va, malheureusement pour lui, faire le grand saut, en effet, et qui va se tuer à l'arrivée. Mais aussi de la mort à la vie, et là c'est Robertson, auquel vous donnez la parole, Robertson le fantasmagore, qui s'adresse à nous. Alors, est-ce que vous diriez que votre pratique du cinéma tient un peu d'une forme de nécromancie? Est-ce que vous êtes un peu, vous, un double de Robertson du côté des vivants, un fantasmagore, vous aussi? Ah ben, j'aimerais bien. Oui. Oui. Non, mais il faut dire que cette histoire de Robertson m'obsède depuis longtemps, puisque mon deuxième livre, qui est reparu chez Fario, était paru chez Gallimard, il s'appelait Lanterne Magique, Séance de Lanterne Magique, et j'avais voulu m'intéresser de près à ce personnage qui était toujours cité dans les histoires du cinéma, les préhistoires du cinéma, Étienne Gaspard Robertson. C'est un pseudonyme, il s'appelle Robert tout bêtement, il est belge, voilà, et puis il va venir s'installer à Paris, dans le Paris de la fin du 18e, et spécialement pendant le Directoire, faire des séances de lanternes magiques animées, voilà. Et ce que j'ai trouvé très saisissant chez lui, c'est qu'il y a dans ses mémoires, qu'il les ait écrites lui-même ou pas, il y a quelque chose de très saisissant qui est le fait que il théorise, il invente le spectateur de cinéma avant que le cinéma ne soit inventé. Il y a des perfectionnements techniques, mais ce qui est plutôt intéressant, plus intéressant, je trouve, c'est le rapport qu'il cherche à entretenir avec le spectateur. Et donc, à creuser sans arrêt la question, y croire ou pas y croire. C'est-à-dire qu'il a... Il a un leitmotiv comme ça qui est de dire qu'il faut faire peur pour apprendre aux spectateurs à ne pas avoir peur. C'est très pervers, c'est très ambigu, mais je pense que ça ouvre le chemin au cinéma qui fait que ben on croit aux images sans y croire, et il n'y a pas que le cinéma qui est comme ça, mais donc c'est quelque chose de ça, c'est quelque chose de très important. Et l'autre chose qui est très importante, ben, c'est conserver l'image, la trace, l'apparence, le souvenir de ceux qui ne sont plus là. Et donc, le cinéma remplit cette fonction. Et donc, je me suis toujours demandé, j'en ai fait une anthologie même, je me suis toujours demandé comment avaient pu réagir les contemporains de cette invention tellement incroyable qu'est le cinématographe. Enfin, les contemporains, ceux qui, pendant 30 ans à peu près, des années 1895 à 1930, ben, ont découvert le cinéma pour la première fois de leur vie. Nous, maintenant, c'est une banalité, on est environnés d'images et tout, ça nous étonne plus. Mais qu'est-ce que ça devait être étrange, bizarre, mystérieux, voilà. Alors, je rebondis juste sur un mot que vous venez d'employer, qui est le verbe « croire ». Entre Corpus Christi et puis là, vous dites que Robertson s'intéresse à cette idée de la croyance à la fiction. Est-ce que ce n'est pas un des centres nerveux de votre travail, ce problème de la croyance? Bien sûr, bien sûr. Enfin, plus que de la croyance même, de la fiction. Oui. C'est-à-dire que, encore une fois, qu'on soit croyant ou pas, c'est assez drôle d'ailleurs, curieux, cette expression pour désigner les fidèles d'une religion, mais que l'on soit croyant ou pas, il y a une construction romanesque, il y a un récit qui est proposé aux contemporains et puis aux descendants de ces contemporains. Et donc ça m'intéresse profondément, quoi, parce que il y a beaucoup de domaines dans lesquels cette fiction, y compris les domaines politiques ou historiques, ouais, beaucoup plus récents, s'applique. Et c'est ça qui m'intéresse profondément, parce que la fiction, il y a du double jeu, il y a du double sens, c'est jamais univoque, et donc voilà, ça m'obsède en effet. Alors, et puis malheureusement, il y a Sylvie, voilà, qui nous coupe la chic. Nous en finirons là-dessus. Non, je suis désolée, mais on a rendez-vous en plus à 17h avec Thomas Schlesser, qu'on essaie d'avoir avec nous demain en visio, donc par écran. Donc c'est d'accord. Bon. Mais je suis désolée de vous couper ainsi là. Laissons Agathe conclure quand même. On termine en fait très bien sur cette question de la croyance et sur la manière dont justement ça structure ce rapport à la fiction
qui est toujours au cœur de votre œuvre, entre le visible et l'invisible, entre les mots et les images. Et voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. Merci.